Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bon plan, et je vous présente aujourd'hui pas mal de choses, des écrans, des cartes graphiques, des SSD, enfin bref, vous aurez pas mal de choses dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je pourrais essayer de vous aider pour choisir vos produits, pourquoi pas même des PC portables gamer. En tous les cas, tout de suite, c'est parti. Et on commence cette vidéo par un écran AOC C27G27Z2, donc un écran incurvé en 27 pouces, 1920 par 1080p, assez standard, 16 neuvième. À l'intérieur, on voit qu'il y a la technologie AMD FreeSync Premium, et on peut retrouver un écran qui réfraie jusqu'à 240 Hz sur une dalle VAW-LED. Donc le VAW-LED, c'est très bien qu'on a en face, si on se décale un petit peu, c'est un peu moyen. En tous les cas, un très bon écran affiché au prix de 199€, incurvé 27 pouces, il n'y a rien à dire, c'est assez propre. On enchaîne par le Gigabit 27. Et là, on est sur un écran LED en 27 pouces, rafraîchi à 1 milliseconde, 144 Hz, FreeSync, G-Sync, donc on est pas mal, dalle IPS. Et là, par contre, on est sur un écran 2K en 2560 par 1440. C'est pas dégueulasse pour 250€ actuellement sur Rue du Commerce. Pour continuer, de nouveau un écran AOC Gaming 27G2. Donc là, ce moniteur, donc FreeSync aussi, Full HD en HDMI, un DisplayPort dessus, donc on peut brancher un DisplayPort, ça c'est intéressant. Temps de réponse 1 milliseconde, rafraîchit jusqu'à 144 Hz. Alors ça vaut pas un 240, mais à 144 Hz déjà, avec une bonne carte graphique derrière, vous serez déjà pas mal. Voilà pour un prix de 190€ sur Amazon. On enchaîne maintenant par les cartes graphiques. Et bah oui, c'est bien beau d'avoir un bel écran, mais si on n'arrive pas à atteindre le taux de refresh, ça ne sert pas à grand chose. La MSI GeForce RTX 3070 Ti en Supreme en 8Go, en Supreme, pardon, 8Go-octets. Alors là, comme vous pouvez le voir, elle a 16% de réduction sur Amazon, 908€ pour un prix de départ à 1079. Faut pas s'en cacher, les RTX 3000 vont descendre petit à petit. On est sur un bon prix actuellement, même si les prix sont très hauts, faut pas s'en cacher, dû à l'inflation qu'il y a eu en début d'année. On passe maintenant sur une Saphir en carte graphique Radeon RX 6700 pardon, XT Pulse en 12Go-octets, et là on est pas mal non plus, pour un prix de 469€ sur Cdiscount cette fois-ci. Et on passe maintenant sur de nouveau une MSI en RTX 3070 Ventus, qui sera un bon rapport qualité-prix, 8Go-octets OC à 619€ actuellement sur Cdiscount. On est là sur un prix qui est pas mal pour une 3070 à mon sens. Alors encore une fois, pas mal pour les prix du moment, mais ce sera un très bon produit. On enchaîne maintenant par les processeurs, et les, je dirais, le processeur, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros bons plans actuellement. L'AMD Ryzen 5 en 3400G, qui est un processeur assez intéressant de chez AMD. Donc on voit, c'est de la M4, donc attention à bien choisir la bonne carte mère. Et du coup, j'en profite pour passer maintenant aux cartes mères, pour parler tout de suite de la MSI MPG B550 Gaming Plus, affichée à 173€, et qui a un socket en AM4, donc qui accepte le processeur précédent. Une carte graphique qui est pas mal, avec pas mal de technologie dessus, on est assez propre, elle est jolie, hein, juste après, quand c'est dans le PC, c'est pas non plus ce qu'on voit le plus, mais voilà, une carte mère assez sympa, avec pas mal de connectiques, vous en ferez de belles choses, j'en doute pas. On voit qu'il y a du USB 3, il y a du USB 2, il n'y a pas de souci, du USB 1 pour les petits périphériques. Bref, assez équipé pour 173€, c'est pas dégueulasse. On enchaîne maintenant par la carte mère Asus Prime B450+, encore un socket AM4, donc cette carte mère, bah, elle est bien fournie, hein, en connectique assez simple, hein, pour moins de 100€, mais elle fera largement le taf pour accepter pas mal de Ryzen première et deuxième génération. Et on termine maintenant par quand même une de nouveau MSI en Mac B560 Torpedo, qui celle-ci permet d'accepter les i7, i5, 11e génération et 10e génération. Donc on est là sur une carte mère qui se place très bien. Je crois qu'il y a deux entrées, c'est ça, voilà. On le voit si on regarde un peu de plus près, ça veut s'afficher, mais vu que ça rame un peu ce soir, ça ne veut pas. Si on le voit ici, on peut voir qu'il y a deux ports Ethernet dessus. Je trouve pas ça très utile malgré tout. Ça, au moins c'est présent, hein, faut pas s'engager. Port USB, elle est assez fournie, donc rien à dire sur la connectique de cette carte mère pour 154€ pour de l'Intel. On continue maintenant par la RAM. Et oui, ça a quoi d'avoir une carte mère avec un processeur s'il n'y a pas de RAM. Donc là, on est sur la Corsair en vengeance LPX en 2x16Go, DDR4 3200MHz. Donc là, on est sur une casse 16. On est très pas mal, c'est bien, je trouve. 32Go-octets de RAM, donc on est pas mal pour 117,99€. Très bien noté en plus, hein, sur du commerce, cette RAM à un prix intéressant à mon sens. HyperX Fury DDR4 en 16Go-octets cette fois-ci. On est sur la DIM, bon, les broches, on s'en fout.
fou, 3600 MHz, donc là on monte quand même en fréquence, et on est sur une classe 18, donc là on est sur une classe beaucoup plus haute. Donc par exemple sur une 3200 avec une classe 16, on va quand même se rapprocher de cette RAM qui est en 3600 MHz. Et on termine par la Kingston en Fury Best RGB, donc elle est jolie cette RAM, un petit peu le côté RGB qu'on aime bien de nos jours, 16 Go DDR4 en 3600 MHz de nouveau en classe 18. Là par contre on est sur un prix de 64€, donc on est quand même beaucoup plus bas. Voilà pour ce qui est des RAM. Et on finit par les stockages, parce que le stockage est aussi très important. Samsung en SSD NVMe 970 EVO 1, on les connaît très bien ceux-là, pour un prix de 124€, c'est raisonnable, c'est un prix qui est dans la moyenne pour ces SSD en 1 Tera pour du Samsung. On a là maintenant une MSI Spatium M371 NVMe en 1 Teraoctet, pardon. Donc là aussi, on est encore sur de la bonne qualité chez MSI, ça c'est sympa, pour 90€, on se place très bien, rien à redire là-dessus. Et on termine par la Crucial, je vais y arriver, en SSD, donc la P5 Plus 1 Teraoctet, c'est celle que j'ai, je crois qu'il y a quelques temps de ça, j'avais payé 140€ à un prix assez intéressant, là elle est descendue à 109,99€ pour les Prime, sincèrement c'est un bon prix. Voilà pour cette vidéo où je vous présentais quelques bons plans. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à me dire si vous voulez d'autres vidéos chaque semaine sur les bons plans. Je resterai disponible pour vous répondre un maximum. En tous les cas, en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.